Bonjour, bienvenue à Exotic Park. Aujourd'hui, 11e jour de confinement ici au zoo. Et une très très bonne nouvelle, c'est Pâques avant l'heure parce que je suis avec la femelle Varan Malais. Et regardez ce que je viens de ramasser. On va aller mettre ça dans l'incubateur et on va croiser les doigts pour les semaines à venir en espérant que tout se développe bien. Les œufs sont maintenant posés sur de la vermiculite humide et mis dans un incubateur. Dans la nature, les varans ne couvent pas, ne s'occupent pas du nid des œufs parce qu'ils ne peuvent pas produire leur propre chaleur. Donc, ils cherchent un endroit adéquat pour pondre et pour que les œufs puissent incuber tout seuls. Donc, c'est pour ça que nous, on fait ça dans un incubateur. Je vais mettre ça dans le noir, 29, 30 degrés. Et je pense que vous ne verrez les petits qu'à la fin de ce confinement, étant donné qu'il y a à peu près 215 jours d'incubation. En tout cas, j'espère. Alors, vu que je ne vais pas pouvoir vous présenter les bébés tout de suite, je vous présente le grand frère qui a 2 ans, à peu près. Voilà, donc vous voyez, là, il n'est pas très content. Et comment ça se défend un varan? Ça se gonfle et ça met des coups de queue. Bon, quand il fera 3 mètres, je ferai un peu plus attention. Regardez comme il est mignon. Il fait environ 50 cm actuellement.